vous, qu'est-ce que la gym douce ? Eh bien, la gym douce, c'est une gym qui n'est pas violente, qui est à la... que les personnes d'un certain âge peuvent assurer, bien entourées par notre prof. Et puis, on peut faire tout geste, soit au tapis, soit sur une chaise, avec des ballons, des bâtons, ça dépend, c'est assez varié, des élastiques. Depuis quand existe cet atelier sur la commune ? Alors, l'atelier sur la commune, la présidente Janelle vient de me confirmer que ça fait 7 ans environ. Combien a-t-il de participants dans les séances ? Entre 20 et 15 participants. À partir de quel âge pouvons-nous y participer ? Alors, participer à la gym douce dans n'importe quel âge, du début de 15 ans jusqu'à 80 ans. Par contre, gym senior, c'est à partir de 60 ans. Est-ce que la gym douce convient aux personnes handicapées ? Alors, ça peut convenir aux personnes handicapées, mais ça ne s'appelle plus de la gym douce, ça s'appelle de la gym adaptée. Est-ce que la gym douce développe la confiance en soi et évite la solitude ? Mais bien sûr, c'est très important parce que ça permet de se rencontrer. On a parmi nous des personnes qui sont seules, qui sont vraiment satisfaites de venir le lundi matin. On échange beaucoup de choses, c'est très important. Avez-vous des hommes dans la gym douce ? Ah, bien évidemment, et en plus il est ici, c'est Jean-Pierre. Nous sommes à deux et très contents de participer avec les différentes dames. On vient pour la gym, donc bon, c'est sûr que...